va la tenter. On va te laisser la finalité pour chercher l'égalisation dans cette rencontre. 55. 55, j'ai dit 45. Autant pour moi. Si le ballon monte un peu, il profitera de cette fameuse brise dont je vous parlais au début de rencontre. Et vu le positionnement du ballon, il ne va pas le faire monter beaucoup. Voilà, c'est une frappe. Qui passe entre les poteaux. Et oui, qui passe. 55 mètres, Romain Tellet ne tremble pas. 3 partout, il égalise. Au moment où les équipes de l'Orlando permettent de découvrir les visages des remplaçants castrés, notamment Alexandre Algoui ici en gros plan. On a aussi noté la fin de Luc Ducalcon. Ou encore Ibrahim Diarra, des joueurs qui connaissent le très haut niveau, qui ont fréquenté le 15 de France. Et puis c'est toujours l'intérêt d'avoir un banc fort, c'est-à-dire que si à l'heure de jeu, c'est là où souvent se font les décisions dans des matchs serrés, vous êtes dans le coup, vous pouvez faire rentrer des hommes qui peuvent justement apporter encore un petit surcroît supplémentaire, et pourquoi pas faire pencher la décision dans une rencontre serrée. Une grosse bataille dans le rock et c'est Sébastien Bruno qui a gêné la sortie du ballon. Mais la mêlée maintenant, à la mêlée il y a Sanchou, ballon relevé, mais il recule, ils se font des passes, ils subissent à l'impact les castrés. Benjamin Kaiser a trouvé du soutien, regardez les bras, libérer, attention. Les bras toulonnais sont déjà là, monsieur Small est vigilant. Et c'est peut-être c'est récupéré, il va rendre, oui. Il va rendre la mêlée au toulonnais, mêlée très intéressante dans les 22 mètres de Castres. Gros engagement physique auprès. Un gros engagement défensif, mais ça, c'est pas fait pour nous surprendre. En revanche, là, on a vu les castrés qui se sont un peu compliqué la tâche tout seul, hein, en se faisant des passes sous pression. Ça va être un gros combo. Du mal à générer l'avancée. Là, on voit deux joueurs tout l'heure, il n'y a presque plus à avoir pénalité là, parce que Tomé Octo était parfaitement sur leurs appuis en position de conteste. On va la suivre, cette mêlée toulonnaise, parce qu'elle est intéressante sur le positionnement à l'intérieur des 22 mètres castrés. Don't guess. Good hit. Anthony, don't guess. N'essayez pas d'anticiper, n'essayez pas de deviner légèrement avant pour partir dans le signal, dans l'annonce, sinon je vous pénaliserai. D'accord. Your hit is going in there. Get it on the outside, please. Il a anticipé lui aussi hein, le positionnement de Tomé Oppo pour une éventuelle poussée en travers, un positionnement illicite. Il avait un gros sourire, il est tatillon, mais il garde le sourire et ça c'est bien. Crouch! Touch! Pause! Engage! Bonne mêlée, bon impact des Toulonnais. Le ballon maintenant dans les pieds de Fabrice Gobert, avantage en cours. La mêlée s'est désaxée, la mêlée s'est désagrégée. L'arbitre anglais le drop, joué le drop de Wilkinson. Avec le drop du pied droit comme le week-end dernier face à Toulon. Bis repetita, schéma connu et schéma efficace. Toulon mène face à Castres 6 à 3. Il n'en finit plus du gauche, du droit d'enchaîner les drops. Johnny Wilkinson devant la colonie anglaise qui a fait le petit déplacement pour prendre l'air de la rade. C'est l'illustration parfaite du pragmatisme à l'anglaise, capitalisé sur chacune de ces occasions franches, et là c'en était une pour les Toulonnais qui ont eu une mêlée un peu compliquée. Un avantage en cours, mais même pas besoin d'utiliser l'avantage de revenir à pénalité. Le drop de Wilkinson qui fait mouche. Son 9e drop de la saison, déjà en 9 journées. Ballon perdu, attention, par Van Niekerk, récupéré par les Castrets qui le reperdent à leur tour. Voilà. Avec Wilkinson qui a levé la tête, long jeu au pied, la diagonale de Johnny Wilkinson dans les bras de Romain Tellet, bien placé. Il est tombé sur le défenseur qui est seul. Il aura pénalité. Il doit lâcher, c'est récupéré. Kaiser en jeu. Ça profite tout de même aux Toulonnais. Mais c'est compliqué. Ils n'en profiteront pas. Offside. Pénalité, vous l'entendez siffler contre Benjamin Kaiser. Mais il aurait déjà pu avoir une pénalité contre Romain Tellet qui était allé au contact face à 3 Toulonnais qui n'avaient pas fait l'effort de relâcher son ballon sous les yeux de monsieur Small. On va jeter un coup d'œil vers les poteaux, Johnny Wilkinson, mais ça lui semblait loin. On va donc se rapprocher et essayer de trouver la touche. C'est travaillé et ce ballon vient échouer hors des limites du terrain dans les 22 mètres de Castres. Regardez Tellet ici plaqué par Wolf. Messina qui est au contest et là très clairement il ne relâche pas son ballon. En un soleil il aurait dû déjà être pénalisé.
allez comme si vous y étiez avec ces images proposées par Laurent Gaud et toutes ses équipes. Un œil vigilant de Thierry Duvet, fraîchement cafetier sur la côté fermé, Sébastien Bellon en percussion sur Técori. Caminoni qui alerte M. Sproul. Percussion de Van Niekerk. Cherche à construire auprès les Toulonnais avec des séquences de percussion. La défense Castres qui est bien en place. Il y a de la profondeur, il y a des appels de balles avec Messina qui est tombé sur Gaportega. Ça a claqué. Ça fait du bruit, le ballon est conservé. Conte Pomi maintenant, dans le côté fermé, pris. Ah, ils sont très difficiles à battre ces défenses. Vous voyez, les joueurs, ils viennent pas du tout se livrer sur les rucks, ils sont sur la latéralité. Oh, c'est poussé au pied, attention, c'est poussé au pied. Sur l'aile de Marc-André, l'ancien Toulonnais. On a peu vu après 17 minutes de jeu, mais il lui en faut peu. Surtout pour s'accrocher avec Joel Abde. Allez, rien de bien méchant. Chris Chesney aussi en passé par là. White. Et on reviendra en avant. Les Toulonnais qui ont cherché à jouer sur la largeur du terrain, alors qu'il n'y avait pas de situation de changement. Une défense qui est dans les starting blocks et qui monte en pression. Et Tomé Okombe qui tente de se retourner pour éviter le plaquage. Là, on revoit l'énorme tampon de Capo Ortega sur Messina qui va quand même rebondir dessus. Et c'est Capo Ortega qui a fait les frais de ce plaquage, pas forcément dans la règle, parce qu'il a lancé le bras, point fermé. C'est lui qui est au soin. Et il y aura un premier changement pour saignement, il me semble, pour les Toulonnais. Mais c'est là. C'est George Smith qui va entrer. Et il y a quelque chose qui s'est passé entre Marc Andrin et un joueur de Toulon que je n'ai pas vu. Je ne sais pas si ça s'est passé hors du champ des caméras, mais il y a eu une petite provocation. Dirigé vers Marc Andreux, un ancien d'Arad, évidemment, vous le savez forcément, et ce sera à suivre parce qu'il y a eu un petit peu d'agacement du côté du banc Castrem, mais aussi d'Andreux. Je ne sais pas si c'est Chesney ou un autre, je ne sais pas. Et nous n'avons pas parfaitement vu, mais pour l'instant, on ne va pas en dire plus parce qu'il n'y a pas grand-chose, c'est rien. Rien du tout pour le grand retour à Mayol de Marc Andreux. Allez, regardez le positionnement des Castrets. C'est Serra Mayabai qui est en position de demi-d'ouverture parce qu'il va faire option de passeur et transmettre probablement à McIntyre. Là, il y a un bon départ de Técori, pardon. Voilà, bye. Et le voici, McIntyre qui va chercher sur l'extérieur. Le mec a pris un tampon. Hein. Martial qui est libéré. Tolé en position de demi-mêlée. Parce qu'il avait occupé à l'époque où il portait le maillot de Périgueux. Mais aussi à Castres. Ballon libéré avec Thomas Sanchou, lui aussi joueur polyvalent. Sanchou qui écarte avec Baye encore en position d'ouvreur. Dans la ligne, c'est McIntyre qui a l'air qu'à Portega, immédiatement plaqué sur la ligne médiane. Au ballon ramassé au frais, on a perdu. En avant, qui profite à Mignoli avec Van Niekerk à la Chistera. Ah, c'est dommage, on va revenir à la première faute. Et aller en avant Castré, mais c'est dommage parce que le ballon de contre là, il était parfaitement négociable par Pierre Mignoli qui a poussé son action pour fixer le Castré au maximum. On va voir la récupération ici du demi-mêlée toulonnais. Et malheureusement pour lui, il va délivrer une passe légèrement en avant ici pour Van Niekerk. Si vous me permettez, je vais profiter de cet arrêt de jeu pour aller voir Laurent Travers parce que j'ai pas l'impression que Laurent soit complètement satisfait, Laurent, de ces 18 premières minutes. Satisfait, c'est dommage parce qu'on rend trop facilement le ballon à l'adversaire, on a une très mauvaise conservation et si on ne conserve pas, on ne pourra pas mettre en difficulté la défense toulonnaise. Ce n'est que là-dessus qu'on a du déchet, c'est-à-dire dans la conservation. Merci Laurent. Time is on. Stay there, please. Stay there, please. 5 meters, yes, thank you. Crouch. Touch. Pause, engage. Pause, engage. Mignoni qui dynamise avec Wilkinson. On va attaquer la ligne maintenant avec Messina. Messina, le duel face à Serra Mayabai. Ballon libéré dans le timing pour. Il y a des intervalles auprès, voilà. Mignoni qui a sollicité Suta, mais il est tombé sur Malonga. Ballon libéré, difficile.